10 octobre 1943, 14 heures, Voltchak Rose, apprentie couturière, née le 19 mars 1928, âgée de 15 ans, célibataire, juive, française. Cette inscription pornographique t'appartient ? Non, monsieur. Lieutenant ! La procession partira dimanche par derrière Saint-Pierre. Les jeunes filles s'écarteront pour laisser pénétrer le clergé jusqu'au cœur. Les bonnes sœurs iront s'enfiler avec les moines qui ne débanderont pas avant que la cérémonie soit terminée. C'est toi qui as écrit cette cochonnerie. Je ne savais pas que c'était sale. Je vous le jure, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Tirez 20 coups dans la même nuit, légion d'honneur. Baiser une religieuse, palme académique. Mais c'est un Français qui a écrit ça. Un des soldats internés, l'électricien de Gex, le pâtissier de Nantes. Quelqu'un de l'arrondissement territorial a soigneusement tapé le texte à la machine à écrire. Ce genre de texte cochon que les élèves se refilaient autrefois sous la table. L'original a disparu du dossier. Ne mens pas, on a trouvé cette scripture pornographique sur toi quand on t'a fouillé en prison. C'est pas moi. On me l'a donné, monsieur. C'est quand je suis revenu du réfectoire. Qu'est-ce que tu faisais au réfectoire? J'étais allé me mettre en chemise de nuit. Pourquoi au réfectoire? Parce qu'il y avait trop de monde dans la chambre. Je me suis couchée, mais il m'a ordonné d'aller me mettre ailleurs. Qui? Le chef de camp. Je me suis mise à un autre endroit. Il est sorti, mais il est revenu se coucher juste à côté de moi. Il a essayé à m'embrasser. C'est lui qui a pris l'initiative? Ce matin, il disait que c'était toi. C'est lui qui a commencé. Mais tu n'as pas changé de place. C'était le chef de camp, monsieur. Lieutenant, continue. Nous avons... Eh bien, dis-le! Nous avons eu un rapport sexuel. Nous avons commis l'acte sexuel. Et quel jour? C'était le mercredi. Ou le jeudi. Non, c'était... Caporal, vous me les brisez. Et tu étais consentante? Je ne savais pas que c'était mal. Est-ce que tu as perdu du sang quand il t'a défloré? Non, oui. Un peu. Est-ce que tu as eu mal? Mon lieutenant, je me demande s'il est vrai. Écrivez, caporal. Je n'ai pas perdu de sang. Tu étais vierge ou tu n'étais pas vierge? Je ne sais pas, monsieur le lieutenant. Tu ne sais pas si tu étais vierge?